D'abord à la population haïtienne, tout côté dans le pays. M'a voyé message ça tout by CEPA. M'a voyé le by gouvernement, m'a voyé le by communauté internationale là pour y pas venir cautionner brigandage qu'a fait depuis matin dans tout bureau de vote, tout partout dans le pays et particulièrement dans le département de l'Ouest. M'a rappelé ce que la presse déjà rapporté, ce que tout observateur ouais, c'est que gain des membres du parti Unité qui dormit dans le bureau de vote. Ça a été dénoncé depuis avant-hier, ça a confirmé l'information qui était bonne. Depuis matin, tout mandataire qui par Unité, n'a pas quitté, n'a entré dans le bureau de vote. Ensuite, il y a des gens qui voulaient venir voter, électeurs, citoyens haïtiens, qui ont quatre nommés, ils ont empêché d'entrer dans les bureaux de vote. Ils ont constaté que il y a des urnes qui étaient remplies, leurs ouvriers, ils ont des bulletins, ils ont déjà fait quoi sous Jude Célestin. Il y a un côté dans le pays, côté à 10h du matin, ils ont dit élection finie, pas gagné un bulletin encore, etc. Alors, moi-même, Mirlan Maniga, citoyenne de Paysan, candidate à la présidence, moi dis ceci, moi demande annulation formelle de toute opération électorale sur toute l'étendue du territoire. Moi répéter, moi demande annulation formelle de toute activité électorale sur toute l'étendue du territoire. Parce que ça qui a passé qu'on y a, c'est du brigandage organisé. Alors pour que CEPA pas vienne dire que le pas de connaît, pour que communauté internationale pour vienne dire que le pas de connaît, que gouvernement complice de bagaille ça, quand il y a des institutions de l'État qui complice de brigandage ça, pour ne pas venir dire que le pas de connaît, toute population avertie. Moi dis, m'a répété, moi demande annulation de toute activité électorale sur toute l'étendue du territoire. Merci beaucoup.